Bonjour, Marie-Christine Bélanger pour Monde Marie-Belle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Florentine Daunois-Wang. Bonjour Florentine. Bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne, cette chaîne Monde Marie-Belle est dédiée aux personnes hypersensibles. Donc, je fais des vidéos aux deux semaines où j'aide les personnes hypersensibles à développer des outils pour apprivoiser cette hypersensibilité-là, en faire un atout et se réaliser à leur plein potentiel. Donc, ce matin, avec Florentine, j'avais envie de parler de ton livre, ce merveilleux livre, « Les clés de l'intelligence amoureuse », que tu as écrit. Une des plus belles phrases du livre, pour moi, c'est « Le grand amour ne se trouve pas, il se construit. » Je trouve que ce livre devrait être distribué dans toutes les maisons. Parce que j'ai compris qu'on pouvait apprendre à aimer. On parle souvent d'apprendre à s'aimer, ça aussi, mais d'apprendre à aimer dans le lien. C'est ce que j'ai beaucoup aimé de ce livre et ce dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Pourquoi j'ai pensé à discuter avec toi de l'intelligence amoureuse, c'est que les hypersensibles, on est très sensibles aux émotions, à ses propres émotions, à celle de l'autre aussi. On a très peur du conflit. Donc, c'est sûr que d'avoir des outils pour, de un, peut-être avoir moins de conflits, mais comme on va discuter plus tard, le conflit peut faire, je ne sais plus comment tu en parles dans ton livre, mais le conflit annonce quelque chose de beau dans le couple. Donc, c'est ça. Oui, souvent, je dis que le conflit, c'est la croissance qui fait toc, 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 qui s'invite. Mmh. Hein, quelque chose veut grandir et ça s'invite sous la forme d'un conflit dans les relations. Est-ce que tu voudrais te présenter pour notre belle communauté? Donc, qui es-tu? Oui. Alors, bonjour. Donc, moi, je suis Florentine Daunois-Wang. Je fête mes 20 ans de mariage cette année. Oh. Et nous avons trois enfants, grands-enfants, ados, jeunes adultes. Et vécu beaucoup de challenges dans notre relation, évidemment, puisque comme tous les couples du monde, on a vécu des crises. Et il y a un peu plus de 10 ans maintenant, on est parti en crise forte et on a décidé de faire un stage Imago. Et ça a tellement changé notre relation. Moi, j'étais déjà psychothérapeute à l'époque. Hein. Je me suis formée, je suis gestalt-thérapeute. J'ai orienté toute ma pratique et ma recherche vers le couple. Parce que ça me passionne et parce que j'ai découvert des outils vraiment, vraiment magnifiques. Voilà, de fil en aiguille, donc je suis thérapeute de couple évidemment, et puis de fil en aiguille, je suis devenue superviseur et formatrice aussi maintenant, j'appartiens à la faculté Imago internationale, et puis je forme des thérapeutes à l'approche, et j'avais cette urgence à parler au couple, à dire, à donner des informations, des outils, des... Alors, j'ai commencé un blog qui s'appelle L'espace du couple. Et puis, ce blog, ça a été un grand cadeau parce que il a fait arriver chez moi une éditrice un jour qui m'a dit « J'aime beaucoup votre propos, c'est positif, ça ouvre l'espoir. Est-ce que vous me feriez un livre ?» Et c'est comme ça qu'est née « Les clés de l'intelligence amoureuse ». Ouais. J'aime tellement ce mot, l'intelligence amoureuse. Oui. Parce que pour moi, ça fait le lien corps, cœur, esprit, tu sais, dans le sens qu'il y a vraiment un... Et on peut mettre une espèce de structure dans ces élans du cœur. Je ne sais pas, c'est un peu comment je le perçois.
C'est ça. Ils mettent du cerveau. Ils mettent du cerveau. Et c'est pourtant un mot qui fait réagir beaucoup. Il y en a plein qui disent, attends, si en plus, il faut qu'on soit intelligent en amour, alors que l'amour, c'est de l'instinct. Et ça challenge, hein. C'est une notion qui... mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les débats que ça engendre. Oui, en effet. Donc, comme je disais, moi, ce livre m'a beaucoup donné espoir. Parce qu'entre autres, il présente bon, 13 rituels. Je dis 13 rituels pour prendre soin de son couple. J'aimerais commencer peut-être par, je te l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai lu dans ton livre que tu dis « Un des premiers dommages collatéraux de la croissance personnelle est le couple. » Moi, j'ai lu le livre, c'est sûr qu'on ne parlera pas du livre au complet, mais j'avais envie, parce que bon, c'est sûr que ma communauté est souvent dans le développement personnel aussi, j'avais envie, moi, ça m'a vraiment interpellée, cette phrase. Donc, je voulais que tu sortes de ton angle par rapport à ça. Oui. Alors, ça, c'est aussi un chapitre qui fait beaucoup réagir, c'est un peu comme un pavé dans la mare. Oui. Hein. J'ai remarqué au cours de mon chemin, quand même, que beaucoup des gens que je connaissais qui sont entrés dans des formations de psychothérapeutes ou qui ont fait des thérapies se sont séparés. Beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup pensé, réfléchi à ce sujet-là. Ma conclusion, en fait, hein, ce qui m'anime, c'est qu'il y a tout un registre de la psychothérapie qui est dans un paradigme individuel. Qui est je vais réparer le monde en moi pour faire de la place à mes désirs, mes besoins, mes blessures. Et ce paradigme-là, il est magnifique entre soi et soi. Il fait des tas de petits êtres très, très bien câblés pour sentir leurs désirs, leurs besoins, leurs envies, leur. Et aussi, paradoxalement, ça les rend arrelationnels. Et il y a tout un registre de la psychothérapie et du développement personnel qui est structuré par un paradigme relationnel, c'est dans le lien que j'ai été blessée, et c'est dans le lien que je me répare, et je vais regarder ce qui se passe dans le lien. Là, ça commence à devenir intéressant pour la relation. Oui, c'est ça. Toi, c'est... Ta théorie part de là, dans le fond, ça prend le lien pour se réparer. Oui. Entre autres. Oui. Pas très difficile, là, mais... Entre autres, pas que, mais le focus sur le lien plutôt que sur l'individu. Parce que l'individu, il peut être très, très, très heureux et complètement sociopathe. Hein? Oui. C'est ça. Parce que, comme tu dis dans le livre, nous sommes câblés pour le lien, dans le fond. Hein? Nous sommes câblés pour être en lien. Le lien amoureux est un des plus intenses que nous ayons à vivre. Donc, est-ce que tu peux nous parler des différentes recherches que tu mentionnes peut-être, ou en tout cas, les recherches sur les neurones miroirs? Ce que j'aime beaucoup, c'est la physiologie aussi des hormones qui peuvent jouer en notre faveur ou défaveur. Là, qu'est-ce que ça fait dans le cerveau? Comment le lien peut réveiller tout ça dans le fond? C'est vrai que dans les premiers temps de la relation amoureuse, on a une espèce de décharge hormonale qui nous transporte, quand on dit les papillons ou être sur son nuage. D'ailleurs, on est radieux. Oui. Il y a beaucoup de vitalité. Il y a beaucoup d'adrénaline qui nous rend très audacieux. Il y a une anesthésie. D'une petite zone qui s'appelle l'amygdale dans notre cerveau, qui contient le centre de la peur, le sens critique. Tout ça est un peu anesthésié, avec évidemment aussi toutes les hormones sexuelles qui nous mettent en libido, qui nous... ça nous fait sentir très vivants. Il y a une saveur incroyable de ces instants-là. Et à nous d'organiser quand ce cadeau hormonal qui est là pour nous mailler, hein, pour nous donner la force, l'élan, le désir, le courage de nous installer, parce que finalement, c'est la reproduction de l'espèce qui est en jeu. Oui. Ça nous fait nous câbler et charge à nous ensuite de poser les conditions d'un relais
hormonal différent et nourrissant. C'est ça, c'est en gros, on va devoir activer plutôt l'ocytocine et la sérotonine que au début toutes ces adrénaline, norépinéphrine, etc. qui nous pour sentir le lien, l'attachement et c'est la différence de la sensation de bonheur, de plaisir, de la dopamine versus la sérotonine. Tu sais, où la dopamine, c'est vraiment plaisir immédiat, un carré de chocolat, par exemple, ou sécréter de la sérotonine. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi, cette partie-là aussi, où j'ai compris que c'était possible de faire des gestes, des actions concrètes dans le couple pour être capable de se reconnecter sur cette sécrétion d'hormones bénéfiques-là et tranquillement recréer de l'hymne. Ouais. Dans le couple et puis entre soi et soi aussi, hein. Oui. On peut s'occuper de son ocytocine, de sa sérotonine. Très naturellement, il y a des gens, quand ils sentent qu'ils vont pas très bien, qui prennent un bain chaud. Mm-hmm. C'est très intuitif, ces trucs-là. Un bain chaud, ça nous fait produire de l'ocytocine. Okay. Tu vois, il y a plein. Nous sommes d'abord et avant tout un corps, une biologie, une physiologie. Oui. Et c'est vraiment intéressant de se pencher sur cette question-là. Oui, parce que moi aussi, c'est une de mes forces d'inviter mes clients que je vois soit en accompagnement pour les personnes hypersensibles ou présentement, je fais de l'ostéopathie aussi, de ramener les gens dans leur corps. Donc, c'est ce que j'aime aussi de ces rituels-là. Mm-hmm. Et que ce soit juste quand tu invites à se prendre par la main, à se regarder, c'est pour se ramener dans son corps. On vit dans un monde où on a tellement de stimuli ou de mille et une raisons qui nous font sortir, ou bon, peut-être juste d'être dans sa tête, mais qui nous font sortir de cette globalité-là. Donc oui, c'est ça, j'aime beaucoup ce concept d'avoir des rituels concrets qui nous ramènent dans notre corps à soi, qui peuvent faire connecter le lien aussi avec l'autre. Oui, puisque tu décris, tu vois, ce bruit du monde-là, ce qu'il produit surtout, c'est beaucoup trop de cortisol par rapport à la dose qui est saine, fertile, entre guillemets. On dépasse et puis on devient à cran. Et puis, nous sommes d'abord et avant tout une biologie. Et on n'imagine pas à quel point on a des possibilités d'action sur cette biologie super simple. Oui, c'est vrai, c'est ça. Sommeil, alimentation, lien, connexion, respiration, c'est incroyable. Exercice, c'est incroyable. Oui, ça fait, on parle le même langage ici. Respiration, se ramener au souffle, c'est très important. Est-ce que tu pourrais nous parler justement peut-être des différents cerveaux, puis quand le conflit s'invite ou cogne à la porte, comment on réagit, le fameux Brutus dont tu parles? Ah, ce petit Brutus. Ce petit Brutus qui est une partie de notre cerveau qui n'a pas évolué, dans mon jugement, assez vite. Je pense qu'on a un cerveau archaïque qui est encore au taquet comme on en avait besoin quand on vivait dans les cavernes. Et que cette partie-là de notre cerveau qui est câblée pour notre survie, elle, 24 heures sur 24, scanne, et repère ce qui est différent, ce qui change, ce qui va pas. Mm-hmm. Le job de cette partie-là du cerveau, c'est manger, boire, dormir, me reproduire, être en sécurité. Et cette partie-là, tout le temps à l'affût, elle a un pouvoir énorme si je l'éduque pas, sur mes réactions. Et l'autre, surtout celui que je mets tout près de moi dans ma vie, il va me faire vivre beaucoup d'émotions. Et les émotions, quand elles sont désagréables, pas agréables d'ailleurs, mais quand elles sont désagréables et que en plus elles viennent titiller des mémoires de l'enfance, elles vont me faire switcher à l'intérieur de mon cerveau. C'est-à-dire que mon cerveau archaïque,
donc survie. Mon cerveau limbique, donc mes mémoires affectives, mon monde émotionnel, le centre de la peur vont être activés. Et on a un phénomène dans le cerveau qui est très intéressant, que si il y a un grand danger, je vais déconnecter ma raison. Oui. Parce que si un tigre me pourchasse, c'est pas le moment que je me demande si j'ai mes papiers d'identité, si j'ai l'air ridicule, si j'ai éteint la lumière ou coupé le gaz. C'est juste le moment que je réagisse. Oui. Et c'est ce qui va se passer en fait dans nos relations, dans notre vie, surtout dans le couple, parce qu'en couple on est vraiment bien câblé pour se réveiller nos mémoires émotionnelles. On va perdre la raison. Et on va se retrouver en mode Brutus, c'est-à-dire en mode survie. Donc, de toi ou de moi, il y en a un qui va être debout à la fin, ça va être moi. Et j'ai perdu ma raison. Et donc, eh ben, je vais devenir très, très dangereux. Je vais plus avoir, je peux quand même pas dire ça, je peux quand même pas faire ça. C'est disproportionné. Il faudrait peut-être que je réfléchisse autrement. Tout ça, c'est plus là, j'ai plus ma raison. Alors, ben, c'est feu vert et en fait, je suis pas plus intelligent, je suis pas plus fin qu'un animal. Et puis, je réveille ça chez l'autre. Oui. Donc, ça peut faire beaucoup de bouillie. C'est ça, hein, cette idée qu'on est d'abord et avant tout une biologie et que il faut qu'on muscle, y compris notre cerveau, en fait, hein, les chemins synaptiques de réaction par rapport à une émotion. Pour pas me mettre dans l'illusion que l'autre est un ennemi et que je l'ai crevé. Oui, c'est ça. C'est ce que j'aime. Pardon. Et qui me donne énormément d'espoir, c'est ces chemins synaptiques, justement, hein, qui peuvent être reprogrammés au fur et à mesure à force de faire, bon, oui, d'être accompagné. On pourrait parler plus longuement d'imago aussi si on a le temps, mais de faire c'est ça, régulièrement des gestes concrets pour reprogrammer ces réflexes qui sont inutile justement de penser que le mammouth est en train de nous attaquer quand l'autre est venu peser sur un bouton sensible, évidemment, ça fait mal. Mais c'est vrai que, oui, c'est ça, on perd complètement la raison. Ouais. Et c'est comme ça qu'on construit l'amour, c'est en musclant tous ces muscles. C'est comme si l'amour, c'était un réseau de muscles et qu'on peut les muscler tous. Différemment. Oui, c'est ça. C'est la pleine conscience. C'est sûr que c'est un choix. Hein. Donc, les deux dans le couple doivent faire ce choix, j'imagine. Hein? Ça vient des deux. Ou quand il y a une des deux personnes, c'est sûr qu'on peut être un moteur aussi, mais... Je ne sais pas si je dirais doivent. Quand les deux le font, ça va plus vite. C'est un cadeau. Et aussi, un des deux peut vraiment faire ce choix et pas l'autre, parce qu'on a le droit d'être différent, et ça va avoir un vrai impact positif sur la relation. Okay. Il ne faut pas désespérer, hein. Notre partenaire, il n'aura pas toujours envie de faire comme on fait. Surtout, tu sais, dans cette population d'hypersensibles et parfois conjuguées au précoce, il y a cette difficulté, parce que ce qui caractérise les précoces, pour moi, c'est pas forcément un niveau d'intelligence plus fort ou plus grand, ou plus. C'est surtout cette conscience que le monde est fou. Oui. Et tout le monde n'est pas comme ça et c'est ok. Il y en a qui sont moins touchés de ça ou de que ça rend moins dingue. Oui. 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 Et ils ont le droit de ne pas se mettre en chemin. Et les précoces, parfois, on est un peu des terroristes dans le lien. J'ai jamais entendu ce terme. Est-ce que vous pourriez préciser un peu précoce? Je ne sais pas, au Québec, peut-être que c'est moins utilisé, mais j'ai jamais... Alors, en France, les précoces, c'est les surdoués, les hauts potentiels, les... Et tu sais, c'est souvent corrélé à l'hypersensibilité. Oui, oui. Hein? Okay, oui. Par rapport à la... Un sens aigu de la justice et puis une quête de sens, un absolu qui est hyper douloureux à l'intérieur et qui fait dans le lien un peu de tyrannie.
Oui, ça sonne des cloches. Ça sonne des cloches. Et alors, celui-là, il peut vraiment tracter la relation juste lui, en musclant ses muscles, sans se raconter l'histoire et se faire mal avec se raconter cette histoire que bah, si l'autre ne le fait pas, ça ne va pas marcher. Un peu bouger le 2. C'est bon, ça. J'aime ça. Dans le livre aussi, tu dis, un des plus grands défis du couple, c'est de prendre du temps. Évidemment, hein, le temps, on parle de puis bon, souvent on peut dire, oui, mais ça enlève la magie de mettre du temps à l'agenda, tu sais. Mais qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Moi, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je voulais savoir un peu par rapport à justement ton livre, cette fameuse intelligence amoureuse-là. Moi, je pense qu'il faut prévoir du temps parce que justement, on a des agendas. Bon, on n'enlève pas les moments spontanés, mais pourquoi toi, tu penses que c'est important de mettre du temps à l'agenda dans ça? Parce que c'est pas, la relation n'est pas virtuelle. On n'est pas juste des collaborateurs pour faire tourner une maison, éduquer des enfants et tendre des machines. On est des êtres et pris dans ce tourbillon du monde, on a besoin d'étapes pour redevenir soi quand le brouhaha cesse, se redéplier, d'abord entre soi et soi ou ensemble. Par définition, parfois, on a cette illusion que comme on vit ensemble, on vit ensemble. Et ça m'a frappée. Moi, j'ai habité pendant très longtemps dans une ville dans laquelle il y avait un musée du jouet. Et je m'étais promis, juré, évidemment, que j'irais visiter ce musée du jouet. Je suis restée plus de 10 ans dans cette ville. J'ai jamais mis les pieds au musée du jouet parce que comme il était juste à côté, je n'y suis pas allée. Eh bien, on peut faire ça avec notre partenaire. Oui. Comme il est juste à côté, eh bien, on n'y va pas. Oui, j'ai déjà entendu aussi certaines personnes dire « Mais oui, mais je suis toujours là. » Oui. Et non. Oui et non. Et s'offrir du temps de qualité, des moments de présence, se donner des rendez-vous, se faire une place importante. Pour moi, la relation, elle est à mettre au centre de nos vies, notre relation amoureuse. Tout le reste va en prendre la lumière. Nos boulots, nos relations amicales, nos passions, tout va gagner. Oui. Pour dire aux employeurs. Conciliation, travail, famille, on appelle ça. Mais justement, j'avais une question qui m'est venue après avoir lu et relu ce livre-là. Est-ce qu'on peut dire, arriver à la conclusion que deux personnes ne sont pas compatibles ou il y a toujours possibilité? Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on parle de séparation dans ce livre-là quand les gens s'aiment encore, puis je disais, c'est dommage parce que il y a encore cet amour-là qui fait que le lien pourrait être reconstruit. Mais est-ce que c'est vrai que parfois on peut dire que deux êtres sont juste pas compatibles? C'est une question qui m'était venue dans mon cœur après mon livre. Les plus grands amoureux sont les personnes les plus incompatibles. L'incompatibilité, c'est notre trésor. C'est ardu, c'est compliqué, mais c'est ce qui met cette magnifique tension vers la croissance, vers l'entièreté. C'est ce qui nous fait nous choisir, nous élire, nous recruter. Non, je pense que la séparation, elle est guidée par parfois des amoureux qui ont trop pollué leur espace et que c'est pas fou de quitter un espace quand il a été saccagé. Ça veut pas dire qu'il y a plus d'amour, ça veut dire c'est tellement saccagé. Et puis parfois la sensation, la relation, elle a apporté tous ses cadeaux. Et ça devient juste de se séparer. J'ai rien contre la séparation. Pour moi, l'énorme gâchis, c'est se séparer quand il y a encore tant d'amour. C'est s'arracher le cœur.
Et là, il y a vraiment des possibilités magnifiques et pas si compliquées de reconnecter, de se remettre les cœurs en face. Oui, les cœurs en face, j'aime ça. yeux dans les yeux, cœur en face. Pardon. Est-ce que... comment tu pourrais résumer, dans le fond, qu'est-ce que c'est l'intelligence amoureuse pour toi? Si je résume, hein, si je prends vraiment l'essentiel... ou ce que tu as envie de nous dire sur ça, dans le fond, parce que c'est toi qui as choisi ce terme. L'intelligence amoureuse, c'est de ne pas être dupe. Ce n'est pas l'autre, l'ennemi, ni ce qu'il fait, ni ce qu'il dit, ni ce qu'il me fait sentir. C'est les blessures que j'ai reçues dans mon enfance. L'intelligence amoureuse, c'est savoir que le problème avec toi, c'est moi. Et jamais lâcher le fil de la merveille. Je sais que je suis née une merveille, je sais que tu es née une merveille. On a mis des choses dans notre congélateur, toi et moi, parce que ça a été difficile de se sentir aimé. On a été blessé dans le lien et on s'est recruté pour décongeler, redevenir vivant. Maintenant, on va appuyer l'un l'autre là où ça fait mal. On le sait, on l'accueille, on y met de la conscience, on y met du partenariat. Voilà. En super concentré. Oui, c'est ça. En super concentré. Parce que c'est ça, quand on a eu une première rencontre, c'est un peu ça que tu me disais, puis que je sentais aussi, c'est que tu avais envie de répandre la bonne nouvelle, cette espèce de, hein, d'espoir, justement, avec ton livre, de qu'est-ce que tu as envie que les gens retiennent ou aient envie d'aller chercher dans ce livre-là, dans le fond, pour se faire du bien, tu sais. Oui. Ouais. Tu sais, j'avais un petit neurone fou à l'intérieur qui avait envie d'empiler des caisses dans des parcs et de monter dessus pour dire « Oh yeah !» C'est pas plus fou que ça. Ouais. Donc, c'est vraiment ça, là, de donner de l'espoir dans le fond. C'est un peu ça. J'ai l'impression que c'est une donneuse d'espoir avec ce livre-là pour moi. Oui, parce que non seulement je l'ai vécu pour mon couple, mais aussi, ça fait plus de 10 ans que je le pratique dans ma clinique et que je suis un témoin passionné et émerveillé de ce que ça produit. C'est tellement beau. C'est tellement beau. On va mettre tous les liens de toute façon par rapport aux vidéos pour si les gens veulent en savoir un peu plus sur l'imago, parce que bon, on pouvait faire une vidéo complète sur l'imago, la thérapie imago en fond. Et j'avais envie surtout qu'on parle de ton livre. Mais c'est ça, si les gens ont des questions, je pourrais peut-être toujours les transférer, si c'est correct aussi, là, par rapport à la vidéo. Je pense que j'espère que ça va piquer la curiosité de certaines personnes. Je sais qu'au Québec, il y a Claude Parizeau qui fait des stages imago et des activités aussi. J'en avais fait une soirée avec lui et avec Geneviève, son autre famille, mais justement des activités pour les couples qui sont basées sur imago, sur la thérapie imago. Oui, il y a Claude qui est arrivé au Québec, là. Et puis, il y a Sophie Slade. Qui forme des thérapeutes, qui est une grande dame de l'imago, qui est une femme magnifique, extraordinaire, qui transmet aussi beaucoup, beaucoup. Oui, vous avez des ressources, vous, là-bas. Bon, mais on a tous les liens dans la barre d'infos, c'est merveilleux. Et puis, ben, envoie-les sur le blog de l'espace du couple. Hein, oui, tout à fait. J'écris beaucoup, là, Je veux que le message passe. Oui, bien, regarde, je donne cette tribune-là ici, dans toute la francophonie. Alors, voyons. Voyons voir jusqu'où va aller le message. Et puis, oui, c'est ça, je vais mettre le lien pour ton blog. Les gens peuvent te suivre sur Instagram aussi. Je vais mettre tous ces liens-là dans la barre d'infos.
Je te remercie infiniment d'avoir pris ce temps-là avec nous, Florentine. Avec plaisir. Avec plaisir, Marie-Christine. Donc voilà, merci. J'espère que cette entrevue-là vous a plu. Continuez à suivre Florentine sur son blog. Je vais vous mettre les informations. Puis je vous dis, prenez soin de vous. Puis à